Bonjour YouTube, on se retrouve pour les news de la semaine et comme j'avais prévu, la double limited est enfin annoncée puisque l'on se retrouve dans une semaine et de Nier Automata et de Xenogears et que, prévoyez cette carte bien sûr, hein, mais on va se payer en même temps Final Fantasy VII avec Cloud, Yuffie, Sonon et en plus on aura le choc des volontés spéciales hiver, où on aura une nouvelle unité Glex exclusif, limited, je pense, pour la semaine de Noël. Donc du coup, ce mois de décembre, bah, c'est un peu comme le mois de novembre. Hein. En ce moment, c'est très compliqué, de très grosses unités qui vont sortir. Mais donc du coup, pour ceux qui sont fans, donc, si ce n'est que les problèmes connus, bien entendu, un problème qu'on ne puisse pas avoir, le classement de choc des volontés, la première chose, c'est de savoir qu'il y a Graf, Idée, Ellie et Citan qui sont disponibles pour une durée de 3 semaines. 3 semaines, c'est bien, mais 3 semaines, ça peut être court. Et surtout, 3 semaines, pourquoi? Parce que vaut Ellie et que vaut Citan, si ce n'est qu'on peut parler qu'il y aura la step avec à la fin le petit ticket pour récupérer la materia pour les 100% de LB damage ou bien les killers et compagnie. On aura ensuite une step où il y aura les 4 en Néo-Vision qui seront droppables sur la bannière. Qu'est-ce que ça vaut les unités? Puisque Ellie a été buffée, tout comme Citan. Pourquoi? On va vous montrer ce que vaut le personnage hein, depuis le classement comparatif de que je ne trouve plus de Sinzar. Mais les personnages étaient... Attends qu'Iné soit faible, d'accord? Puisque ici, c'était même pas classé, c'était donc en dessous de Cloud et compagnie, et que normalement, ça devait se retrouver dans les 150, 160 B de dégâts, je crois. Un truc comme ça, c'était vraiment pas très haut, à part Citan. Mais bon, allez, on va dire qu'avec le stuff et compagnie, ça devait être dans les alentours de Serge, Van Elmar et compagnie. Bon, ça reste un peu léger, mais il y a des upgrades. Donc Citan serait à 252 B de dégâts ici, tandis que Ellie, 72 B. Là où la japonaise, donc si je me souviens bien, il était sur les 180. Donc Katana, le 1K d'attaque en plus, le first dans les 5 premiers tours, pardon. On a un Citan plutôt très correct. Pourquoi? Parce que Citan... C'est un personnage qui alors habite 60 d'attaque avec du LB fill rate et l'accessoire à 80 d'attaque qui permet d'avoir un 100% de true double end et 500 d'attaque pour uniquement Citan. La Vision Card sera une carte qui est orientée attaque avec 130 de base, 50% d'attaque, 500 de flat pour les unités de Xeno et 5% de PM. Reste un peu moyen. Mais il y a 4 tours de durée de transformation, donc tout comme Idée et Graf, ainsi que l'oublier, hein, mais il y avait aussi Faye qui était transformée en Néo-Vision. Hein. On a une unité, donc du coup, pourquoi aussi haute dans le classement? Grâce à ce Grandis. Grandis, devant, dans cette forme, il n'y a rien d'incroyable, ce n'est qu'un 1400 en multiplicateur. On a quand même un personnage qui est doublement 100% all killer. Donc en X2 à aller chercher absolument pour débloquer ce genre de spell. Ici, rien d'incroyable, si ce n'est qu'un break katana, du dégât jusqu'à 300 en vent, 27 hits, triple BS frame, on connaît. Mais la forme Brave, qui est d'ailleurs pour Mecha, pour ceux qui aiment hein, les gros robots dans Final Fantasy, hein, coucou Ashton et coucou Kyo, bien sûr, on a donc du coup Ashton pour le vrai. Kyo pour le troll. On a du coup là, un personnage qui sera en AT en BS avec du vent et qui a surtout un multiplicateur de 60 sur sa LB. Un multiplicateur de 60 sur sa LB, sachant qu'on a 1000 d'attaque en Unarmed, ce qui est important parce qu'on va monter jusqu'à 1400% d'attaque au total. Et ben, on va avoir un personnage qui sera donc du coup à 350 plus tous les upgrades à côté. Donc, on a un 6 hit, donc finisher, on va dire. Mais Greatsword. Donc il va falloir breaker dans l'autre forme pour pouvoir, pour pouvoir profiter de break du katana
Parce qu'ici, c'est la Greatsword. Ce qui est quand même assez étrange, et je pense que ça sera modifié pour du full katana. Parce que le personnage, ça va être un katana, et rien de plus. Donc 410 en vent, lock vent, attention. Problème, c'est celle qui l'accompagne, Ellie. Avec son robot de la Vierge, bien sûr. Qu'a-t-elle de si particulier? Cette waifu qui nous avait brillé en 5 étoiles et en 7, parce qu'elle était en Chaos Wave Awaken, qui n'était pas buggée comme la japonaise, et ben 60 de magie, 42 SPR sur un habit en TM. Rien d'affolant. Et ici, juste du 500 de magie pour 80 de magie en flat et des killers démons ou machines à 50% en physique ou en magie. Exactement la même carte que notre cher Citan, mais avec 130 de magie, 50% de magie, 500 de flat et pour elle bien sûr, hein, et 4 cristaux de LB par tour. La carte, c'est vraiment nul, hein, honnêtement on a carrément mieux. Et on a un 4 tours de durée, pourquoi? Pourquoi 4 tours de durée fait que Ellie est moins forte que notre cher Citan. Et là, on va espérer en fait qu'ils vont réparer le problème, parce que c'est pas dit que ça soit réparé. Vous allez comprendre pourquoi. On a, comme la version de cette étoile, tous les sorts avec un MP Rill à 130 sur les 4 éléments, eau, feu, terre, vent. C'est une magicienne. Et un magique considéré physique, on pourra lui chercher l'élément qu'on souhaite. Que là, rien d'incroyable. 300 de magie boostée sur la prochaine attaque, donc c'est en plus des buffs de 400% qu'on peut avoir. On a quasiment 6 killers, il me semble que d'ailleurs ça va rester comme ça, 6 killers au total sur les passifs des killers de monstres. On a un Barrack Rod avec directement un 200 magique considéré physique, donc on peut aller chercher un x200 n'importe quel élément, qui va booster après notre LB de seulement 200. C'est un triple BS, ok c'est bien, maintenant qu'est-ce qu'on a de mieux? Qu'est-ce qu'on a de mieux sur ce personnage en Brave Shift? Puisque vous avez compris qu'il y avait un Unarmed à 1000 d'attaque et que Ellie est une magicienne. Eh ben, déjà, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de 150%. Et ça, j'espère qu'ils vont l'ajouter. Mais le problème, c'est plutôt ici dans les passifs. Puisque l'Unarmed est un attaque et non pas un magique. Ce qui fait qu'elle est réduite à retomber dans les profondeurs des abysses et être totalement useless en team de magicienne. C'est quand même honteux de se dire on fait une magicienne, on lui met de l'attaque. On va espérer que Gumi, eux, le voient en rapport à Alim. Mais si ça n'est pas constaté, c'est terminé. Le seul gros avantage donc, du coup de Ellie, ce serait cette MP Rill de zone sur les ennemis pendant 10 tours de 50% au vent, et c'est tout. Un triple BS en vent, avec un MP Rill à 130%, rien d'incroyable. Vous l'avez compris, on n'est pas sur des unités folles pour le coup. Avant de continuer les news, je rappelle, parce que je l'ai dit en live, mais il n'y a pas eu de vidéo, mais ces derniers temps, il y a beaucoup de ce jeu de Square Enix qui vont sortir. On a la chance de pouvoir vous faire découvrir cet après-midi, ce mardi, vers 18h je pense, puisque j'ai un rendez-vous médical. Crisis Core, on a le droit de vous streamer les deux premiers chapitres. Donc on va en profiter, venez sur le live si vous voulez découvrir Crisis Core, Réunion, voir un peu ce que ça vaut avant l'achat. Je rappelle que le jeu sort le 13 novembre, hein, et que merci encore une fois à Square Enix France, hein, de pouvoir nous proposer ce genre d'OP pour pouvoir tester avant les jeux et pouvoir vous donner notre avis, voire même pouvoir vous les streamer, contenu ou non complet. Donc, pour le coup, des unités upgradées, on voit des grands 10, vent, aptitude chez, sur le robot de Fenrir et tout. Bon, moi, je suis assez sceptique, hein. Je suis assez sceptique sur tout ça. Je pense que Ellie va rester la même. Maintenant, ça ne veut pas dire que je ne vais pas pull. Au contraire, je vais invoquer. Donc, rendez-vous jeudi à 18h sur le live, puisque ce sont des unités limited. Et en plus de ça, c'est Xenogear. Ça va être difficile de passer à côté, ce seront beaucoup de tickets avant et ensuite on verra. Donjon d'événement, du coup on va devoir farmer 95 000 points pour récupérer du stuff divers et varié. Sachant qu'il n'y aura pas de World of Vision, puisque s'il y a le FF7, normalement c'est à ce moment-là qu'il y aura un World of Vision. Par contre il faudra le katana normalement du
c'est le katana, le Mumio de la, l'unité Citane en 5 étoiles. Normalement, les 5 étoiles seront droppables dedans. Donc, pas de souci là-dessus. On aura donc du coup les deux nouveaux Xenogears qui seront en partage à 50%. Mais n'hésitez surtout pas à déjà partager certains graphes si jamais. Ou même des 7 étoiles en Xenogears, parce que ce seront déjà 30% pour l'événement. Il n'y aura pas plus, pas moins en termes de bonus. Au niveau des quêtes, il va falloir terminer une fois par jour pour obtenir des points d'événement, des certificats, donc juste des compos, hein, tout simplement. On aura un second fight avec des pampinators, des couronnes à récupérer sur le contact élu. Et le ressentiment latent sera de la même valeur en termes de drop. Pas vraiment de lapis ici, un peu triste. Et je m'attendais surtout à des fragments d'unités. Il n'y en a pas. Tristesse. Mais bon, on va faire avec. Octomammouth, le boss spécial Aqua Killer. C'est un boss qu'on attendait le plus. Attention à avoir une grosse résistance d'eau sur vos unités. Ça me, en voyant ce boss, ça m'a rappelé qu'il y a des boss en attente et qu'il va falloir que je rattrape tout ça. Puisque bah, sur le coup, c'était des killers qu'on n'avait pas forcément besoin. Mais attention, enfin attention, c'est un grand attention, hein, ça devrait le faire quand même le boss. On ne devrait pas trop avoir de difficultés. Vous avez compris qu'il tape en haut, sa faiblesse ce sera la foudre je pense. On va sortir des Esther, on va sortir des Sylvie, bref, comme toujours, la base. Souvenir de l'âme et résolution de Citane. J'espère que ces cartes auront les musiques de Xenogears, pas comme celle de Nier. Pour le coup j'en ai déjà parlé, mais attention, petit live lundi pour annoncer quoi? FF7, déjà, toujours, FF7 n'a jamais été non publié dans un live stream. Il y a toujours eu un live stream pour dire il y a la bannière de FF7 qui arrive cette semaine. Tout le temps. Sauf peut-être des unités random à côté. Mais il y a toujours eu des annonces qui ont été faites. Je pense que aussi pendant cette diffusion, il y aura la possibilité de récupérer donc quelques rewards qui seront naturellement récupérés par tous. Mais surtout récupérer des informations pour Noël. L'unité qui sera, je pense qu'ils vont annoncer les ups de Tiana. Ils vont peut-être non annoncer d'autres ups latents pour d'autres personnages. Mais voilà, des trucs pour remettre un peu au goût du jour de tout le monde. Et en plus, de parler de la nouvelle unité en même temps. Fontaine de lapis, vous connaissez le procédé, je ne vais pas le rappeler. Vous avez le procédé aussi avec Amazon App Store. Vous pouvez télécharger votre jeu depuis la boutique Amazon App Store et payer beaucoup moins cher tous vos achats. Surtout en moment de Noël. Franchement, gagner de 3 euros à droite à gauche, c'est pas ridicule. La boutique d'échange, eh ben, pour le coup, même si ce sont des limited, il y aura la possibilité d'échanger les fragments de Ellie et de Citane. Ce ne sont pas des Brium, donc possibilité d'avoir un jeton, 10 fragments. Mais il y aura aussi la possibilité de racheter ceux de ID et de Graph. Dans le procédé, c'est pas mal pour récupérer ceux de Graph de l'époque. Mais le problème, c'est que Graph et ID n'ont pas été EP. Donc c'est bien de vouloir proposer ça, mais EP-les et ce sera peut-être mieux, non? Pour les connexions, bien sûr, tickets, 30 fragments de Citane et de Ellie. Et en plus de ça, des lapis tickets 5 étoiles en fin de semaine avec pas mal de tickets rares pour pouvoir dropper sur la bannière. Maintenant, jusqu'à 14h. 14h, de toute façon, je ne serai pas là avant 18h. Comme ça, on est tranquille. Donc surtout, n'hésitez surtout pas, si vous êtes curieux pour Discord Réunion, pour pouvoir voir un peu ce que ça vaut le jeu. Ce matin, l'embargo est levé depuis 8h du matin ce mardi. J'avoue avoir déjà tâté le jeu depuis 3-4 jours et c'est une merveille, surtout sur PC. Je pense que la version PC sera la mieux adaptée en rapport à PS5, même si PS5 ça vaut quand même un bon PC gamer maintenant. Suffit de voir Callisto Protocol, hein, Callisto Protocol ayant une meilleure version sur PS5, clairement, alors que sur PC ça lag de ouf. Et beaucoup de drop frame, donc on va bien voir de toute façon. J'ai mon édition collector qui arrive sur PS5 et j'ai ma version PC comme ça, je suis tranquille. Au moins, je suis safe sur ce côté-là. Je sais ce que je pourrais moi-même comparer directement les deux supports. Bref, dans tout ça, moi je vous laisse passer une bonne après-midi à vous tous. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Et à partager bien sûr sur les réseaux sociaux si vous avez des gens qui jouent à FFBE. N'hésitez surtout pas. Des bisous, ciao !